Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons shalom, shalom, fidèles téléspectateurs de l'émission Prière avec l'homme de la continuité, que les bons dieux vous bénissent et qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents de nous retrouver cette nuit une fois de plus pour passer avec vous quelques instants dans la prière. Que le Dieu très haut vous arrose, que l'Éternel des armées vous bénisse et qui vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie, vraiment dans la joie, de nous retrouver une fois de plus pour passer avec vous quelques moments dans la présence du Seigneur. Shalom à vous, partout où vous nous suivez, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, tout comme en Amérique. Daigne le Dieu très haut vous bénir et qu'il vous bénisse richement. Nous sommes là pour passer avec vous quelques instants dans la présence du Seigneur. Comme vous l'avez vu, notre sous-thème s'intitule « Recommande ta nuit ou ta journée à Dieu ». Donc c'est un sous-thème très important qui sera beaucoup plus lié au temps. Soyez bénis, vous qui partagez et vous qui commentez également. Soyez bénis, vous qui cliquez sur « J'aime ». Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, Patrick à la ministrie, veuillez vous abonner aussi. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Voilà qu'on a eu un petit problème technique qui fera qu'on puisse reprendre cette vidéo. Et veuillez la savourer, n'est-ce pas, sans modération. C'est toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que le bon Dieu vous bénisse. Il y a eu une erreur technique qui s'est produite, n'est-ce pas, vers la fin de notre vidéo d'hier, de tout à l'heure. Et voilà pourquoi nous sommes en train de refaire ce message. Un message qui est une bénédiction pour les enfants des dieux. Mon frère et ma sœur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes toujours dans les livres de Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu. Vous pouvez également lire ce passage dans plusieurs livre également de l'évangile, dans Jean, etc. Mais avant qu'on puisse en arriver là, j'aimerais que chacun de nous exprime sa reconnaissance auprès de Dieu en lui disant merci. Merci pour ce temps favorable, merci pour ce temps merveilleux. Prions tous ensemble au nom du Seigneur. Éternel des armées, nous te disons merci parce qu'il t'a plu de nous rassembler dans ta présence, avec mes bien-aimés, les papas, les mamans, ceux qui nous suivent depuis l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique. Seigneur, tu es le Dieu qui a veillé sur nous. Tu nous as octroyé le souffle de vie, l'être, le mouvement et la respiration. Tu es le Dieu qui nous protège, le Dieu qui prend soin de nous. Nous te célébrons, nous te magnifions et nous t'adorons. Le Dieu aux possibilités illimitées, le rocher des âges, le ressuscité du troisième jour. Que la louange te revienne en puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni Jésus, sois élevé, sois exalté, les dieux aux possibilités illimitées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Toujours dans le même élan, nous implorons maintenant la miséricorde du Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui reconnaît ses transgressions, les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Tu vas dire à Dieu de purifier ta robe, de purifier ton âme, ton corps et ton esprit. Prions tous ensemble au nom du Seigneur. Éternel des armées, nous te prions de purifier nos cœurs, de purifier nos pensées, de purifier nos imaginations. Que tout ce qui puisse constituer obstacle à notre prière soit ôté. Lave nos robes, Seigneur. Lave nos âmes, lave notre intellect et notre subconscient. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons inviter la personne du Saint-Esprit, lui demandant de prendre la direction de notre réunion de prière, lui demandant de prendre la conduite de ce moment qui dispose notre entendement spirituel et qu'on ne puisse pas prier sur notre propre passion, mais qu'on soit réellement conduit par l'Esprit des dieux, prions au nom du Seigneur.
Éternel des armées, nous nous abandonnons entre tes mains, nous nous confions auprès de toi, te demandant de prendre la direction de nos âmes, de nos cœurs et de nos esprits. Sois le Dieu qui nous conduit en toute vérité. Pendant ces temps de partage, sois avec nous, oriente-nous, guide-nous et conduis-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire, louange et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclame le roi des rois. Acclame l'agneau de Dieu, acclame l'étoile brillante du matin. J'aimerais que tu partages, que tu invites un frère. Ne sois pas seul à suivre, invite un ami, une connaissance. Envoie-lui les liens et dis-lui de nous rejoindre le long de cette séance de prière qui sera une bénédiction, sûrement une bénédiction pour lui ou pour elle. Et toi qui serais en train de faire cette œuvre de gagneur d'âme, le Dieu Tout-Puissant ne manquera pas à te bénir. Nous sommes dans la parole du Seigneur. Et notre prière, nous l'avons intitulée « Recommande ta nuit ou ta journée à Dieu ». Tout dépend du temps que tu es en train de suivre ce live. Si tu suis ce live la nuit, donc tu vas préparer ta nuit et la recommander entre les mains de Dieu. Si c'est le matin ou en plein, donc tu es en train de vivre le crépuscule, tu vas également recommander ta journée entre les mains du Très-Haut. Jésus-Christ de Nazareth, c'est notre Seigneur. On l'appelle Seigneur parce que c'est le Maître. Seigneur qui veut dire Maître. Celui qui nous conduit. Celui qui nous oriente. Celui qui nous guide. C'est celui-là le Maître. Mon frère et ma sœur, la vie de Jésus est un exemple pour nous, comme il est le modèle. Or, nous remarquons dans l'histoire de Jésus sur cette terre, c'était vraiment un bosseur. Il travaillait durement. Il parcourait des kilomètres à pied, allant çà et là, prêchant la bonne nouvelle du Seigneur, proclamant l'évangile. C'était un bon prédicateur. Il guérissait les malades, comme l'a dit, il allait de lieu en lieu en faisant du bien. Vous pouvez lire cela dans Actes chapitre 10, verset 38, 37 à 38. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Et vers le soir, il était sûrement fatigué, ce qui justifie que les disciples avaient l'habitude de dormir la nuit, parce qu'ils effectuaient des kilomètres et des kilomètres à pied. Mais Jésus-Christ, en dépit de cette fatigue, il s'est réveillé la nuit et il montait à la montagne de prière pour communiquer avec son Père, c'est-à-dire il naviguait dans le monde des esprits par la prière. Et la Bible dit même un bon jour, il pria jusqu'à ce que sa sueur puisse se transformer en sanglots de sang. Quelle dimension! Un autre jour encore, pendant qu'il priait la nuit et que les disciples dormaient, il va affronter Satan qui venait pour réclamer l'un de ses disciples en la personne de Pierre. Pendant qu'il était réclamé, donc Pierre était réclamé, Jésus-Christ priait, mais le concerné lui-même dormait profondément et il n'était au courant de rien. Heureusement pour lui qu'il avait un bon berger en la personne de Jésus-Christ. Je viens t'informer, ma soeur et mon frère, que tu es également la personne la plus heureuse parce que tu as le même berger. Jésus, qui fut le berger de Pierre, c'est aussi ton berger et c'est le mien. Est-ce que tu peux acclamer très fort ce Jésus? Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu dises à Dieu merci de m'avoir également fait cette grâce, de t'avoir comme mon berger, comme mon bouclier, comme mon gardien, comme celui qui me sécurise. Est-ce que tu peux exprimer ta reconnaissance en disant à Jésus, merci d'être aussi mon berger. Pendant que je dors, c'est toi qui veilles sur mon âme, sur mon corps, sur mon esprit. Pendant que je suis au travail, tu veilles sur moi, tu veilles sur ma petite famille, tu veilles sur mon mari, sur ma femme, sur mes enfants, tu veilles sur mes activités. Élève ta voix, remercie Jésus, prie au nom du Seigneur. Yahweh, nous te disons merci du fait que tu es le Dieu qui veille sur nous. La Bible dit que tu n'as point changé.
Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as veillé sur Pierre hier. Tu as veillé sur son corps, son âme et son esprit pendant qu'il lui-même dormait profondément. Tu n'as cessé de veiller sur cet enfant de Dieu, sur ce serviteur de Dieu, Seigneur, en la personne de Simon, appelé Pierre. La Bible déclare, tu n'as point changé, tu ne fais point exception de personne. Nous sommes plus que persuadés, plus que convaincus que tu es ce Dieu qui veille aussi sur nous. Tu es ce Dieu qui veille sur nos corps, nos âmes et nos esprits. Même quand on est distrait, Seigneur, toi tu nous protèges. Même quand on est en plein profond sommeil, toi tu veilles sur nos âmes. Même quand on est en train de nous déplacer dans des véhicules, toi tu es le Dieu qui nous protège, qui nous garde. Même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es le Dieu qui nous épargne. C'est notre Dieu comme une baguette magique, tu nous fais sortir du lot de nos ennemis et de leurs filets. Tu es le Dieu qui protège tes enfants. Ensemble, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te glorifions au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Je pense que on va continuer avec notre mission. Que la gloire revienne à l'Éternel. Un petit problème de connexion. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Oui, ma soeur, mon frère, continue. Continue à partager. Continue à partager. Malgré ce problème de connexion. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse abondamment. Merci, merci, merci. Merci de partager, merci d'inviter et merci de communiquer. Que la louange et la gloire te reviennent. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, un petit souci de connexion. Je vous prie de partager, un petit problème avec notre Wi-Fi. Je vous prie de continuer à partager et à partager davantage. Merci, merci, merci. Un frère qui souffrait d'une maladie. Le frère souffrait, mais la maladie a commencé comment? C'est à travers une nuit. Comme Pierre fut réclamé là. Lui également, pendant une nuit, il dormait. Il fait un rêve. Et dans le rêve, c'est un porc-pic qui vient le piquer au niveau de son sein gauche, c'est-à-dire à côté du cœur. Il dormait, il va sentir quelque chose qui le pique. Il est en train de rêver et il se gratte. Physiquement aussi, sa main est en train de se gratter. Là, il avait été mordu par le porc-pic. Bien-aimé dans le Seigneur. Le frère se réveille parce que ça les chatouait tellement. Une fois qu'effectivement il y avait un petit bouton, après il va redormir le lendemain matin. Le bouton n'était plus, c'était une petite plaie qui commençait. Et la plaie va commencer à prendre de l'ampleur jusqu'à commencer à s'infecter. Il va prendre des antibiotiques, pas toujours de changement. Il va se faire injecter. La plaie ne fait que s'infecter, mes amis. Il va chercher la médecine traditionnelle. C'est alors qu'on va lui appliquer. On lui applique ce qu'on appelle par des peaux de lapin ou de cochon, quelque chose comme ça. Malgré tout ça, la plaie ne faisait que s'infecter davantage. La situation était dégradante. Alors qu'il va nous suivre, n'est-ce pas, à la radio. Quand il nous suit à la radio, il va venir à l'église. C'était à Pointe-Nord, au Congo-Brazzaville. Là, nous prêchons l'évangile. On va prier pour lui. En le oignant d'huile. Et c'est alors que cette plaie va cicatriser. Vous comprenez qu'une maladie d'origine spirituelle ne peut
être guéri que par des voies spirituelles. Peut-être que tu es là, tu souffres d'une maladie, on te donne des produits, ça, tu n'es pas guéri, on te soigne, ça, tu n'es pas sous-guéri. Il faut également songer à la voie ou à l'aspect spirituel. Parce qu'il y a des maladies d'ordre spirituel. Cette maladie est venue à travers un songe, à travers un rêve. Une opération s'est faite la nuit et le frère était victime. Ce qui se fit à l'époque de Pierre s'est fait encore aujourd'hui. Alors je ne sais pas, la nuit passée, la nuit d'avant-hier, une nuit pendant la semaine passée ou le mois passé, tu as été victime de quel type de réclamation? Cette nuit même, qu'est-ce que le monde des ténèbres planifie contre toi? Quel type de réclamation? Ta famille est réclamée par qui? Tes enfants sont-ils réclamés quelque part? Et derrière chaque réclamation, il y a un objectif. Pour Pierre, on devait le cribler comme du froment. Heureusement pour lui, Jésus intercéda. Pour le papa dont je viens de vous parler maintenant, lui, c'était la destruction de sa santé. Pour lui, le sein gauche, afin d'atteindre son cœur. Donc, il a ciblé le cœur. Je ne sais pas, dans ta maison, la réclamation a pour motif quel sujet? Quel est le sujet ou le motif de ta réclamation, voudrais-je dire? On te poursuit pour quoi? Est-ce pour détruire seulement ta santé? Ou bien c'est pour t'achever? Est-ce seulement pour détruire ton travail? Est-ce seulement pour effacer ton nom? Est-ce pour détruire ta progéniture? Est-ce pour détruire ton mari ou ta femme? Pour gâcher tes biens? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Jésus-Christ, lève-toi pour barrer la route à l'ennemi. Peu importe la mission pour laquelle il me localise, il me poursuit et il me suit. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prions au nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de la Bible, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici devant ton trône, t'invoquant, Seigneur, de nous défendre, de nous protéger, de nous préserver du malin. Sois le Dieu qui veille sur nos corps, veille sur nous. Nous ne connaissons pas quelle est la mission de l'ennemi. Pourquoi nous a-t-il poursuivis? Pourquoi nous poursuit-il? Seigneur notre Dieu, peu importe la mission de leur poursuite, de leur réclamation, de leur filature, l'objectif pour lequel ils poursuivent tes enfants, la raison pour laquelle nous serons poursuivis cette nuit, sois le Dieu qui veille sur nous, sois le Dieu qui nous garde, sois le Dieu qui nous protège, sois le Dieu qui nous préserve du malin. Épargne-nous des dangers, préserve-nous du danger, préserve-nous du malin, efface toute forme de poursuite, toute forme de réclamation. Au nom précieux de Jésus, Papa, efface les marques de l'ennemi. Efface la mission, le mandat d'amener, le mandat de poursuite, la filature, que ce soit l'accident, que ce soit l'objectif des morts, que ce soit l'objectif de destruction du travail, que ce soit l'objectif de destruction des santé des enfants, que ce soit l'objectif de détruire nos biens, Père éternel notre Dieu, ou de nous induire dans des erreurs et dans des conflits terrible dans le foyer, dans nos lieux d'entreprise, dans nos lieux de travail. Papa, efface tout ce que l'ennemi a planifié à travers cette réclamation nocturne. Nous te recommandons cette nuit que tout ce qu'ils ont planifié de faire contre nous, Seigneur, soit nul et non avenu, parce que nous te demandons de te lever comme notre bouclier devant l'ennemi pour barrer la route, toutes les routes par lesquelles ils pouvaient passer, qu'elles soient barricadées par ton ange gardien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi devant la porte de ma maison, devant la porte de la maison de cette maman qui prie, devant la porte de la maison de ce papa qui prie, que ton armée angélique soit déployée. Yahweh, déploie tes anges. Déploie tes anges maintenant, devant chaque maison qui prie de tout cœur, pourquoi pas devant la mienne. Veille sur nos biens, Seigneur. Veille sur notre santé. Veille sur notre corps, veille sur nos activités, veille sur nos projets, veille sur nos études, les études de nos enfants. Seigneur notre Dieu, veille sur le ministère, veille Seigneur
sur tout ce qui est à nous, même sur les finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Je vous prie encore, papa, maman, je vous prie encore, maman, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de multiplier, de partager. Partagez, partagez, partagez. Permettez à quelqu'un d'être branché, scotché et de bénéficier de ce moment. Bien-aimé, toujours dans le même élan, un autre bien-aimé, c'était la nuit. Là, c'est une maman. Elle s'est promenée avec ses enfants dans un songe et elle voit un corbeau tout noir. Le corbeau qui vient, qui atterrit directement et récupère l'un des enfants. Il s'envole avec l'enfant. La maman poursuivit les corbeaux. Quand les corbeaux ont commencé à voler plus haut, la maman n'était plus capable de le rattraper. Et le songe va s'arrêter là. Oh, quel mauvais songe, mes amis. Quel mauvais songe, mes frères. C'est un songe qui annonce un esprit de mort dans une maison, dans une famille. Si vous faites des rêves comme ça, priez pour tous les enfants, mais ne manquez pas de prier, surtout en faveur de l'enfant qui a été volé par le corbeau. Déjà, à travers la culture juive, vous allez comprendre que c'est un animal impur. En dehors de la mission noble qu'il a eu à faire en faveur du prophète Élie, dans la plupart des cas dans la Bible, nous voyons que cet animal typifie l'un des animaux impurs ou bien l'une des impuretés dans le rang des animaux. Mon frère et ma soeur, je ne sais pas si tu as fait quel type de rêve. Une autre, elle, ils étaient dans un mall avec ses enfants, nombre de 5. Et après, du coup, il va voir une main noire qui récupère 2 enfants. Et du coup, il se retrouve avec 3 au lieu de 5. Est-ce que vous comprenez, mes amis? C'est des choses qui se font pendant la nuit. Juste un rêve. Mais attention, Job 33:14 nous dit: Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il nous parle par des songes. Il nous parle par des visions nocturnes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu à faire comme rêve. Peut-être cette nuit, la nuit passée, le jour et le mois passé. Qu'as-tu fait comme rêve? C'est pourquoi je te prie, mon frère. Je te prie, ma soeur, de ne pas minimiser cela. À travers l'histoire des pierres qui furent réclamées la nuit, il faut comprendre que ces genres d'opérations se font aussi jusqu'aujourd'hui. Ce qui était hier, d'après Ecclésiaste 1, 10 à 11, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Alors, cela étant, on ne va pas attendre pour vivre les conséquences ou subir les effets. C'est pourquoi je te demande, mon frère, je te demande, ma soeur, de prier encore et de dire à Dieu: Père éternel, barre la route à l'ennemi, barre la route aux méchants, barre la route à tout ce qui a été fait comme opération nocturne. Ce qu'on a fait la nuit, ce qu'on a fait le jour, c'est toute forme de réclamation dans n'importe quel domaine, sur ma maison, mes enfants, mon mari, ma femme, mes frères, mes parents. Seigneur, ne permets pas cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit: ce qui est révélé est condamné. C'est pourquoi on commence à annuler tous les mauvais rêves où tu as perdu des choses, où on t'a ravi des porte-monnaies, où on t'a ravi des enfants, où on a détruit ta santé, où quelqu'un t'a bousculé dans un puits, dans une fosse. Commence par détruire, annuler cela au nom du Seigneur. Alléluia, prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu de la Bible, le Dieu Très-Haut, l'étoile brillante du matin, nous annulons, nous effaçons, nous neutralisons tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été planifié depuis le monde des ténèbres contre nous, Seigneur. Que cela soit neutralisé. Ce qu'on a vu en rêve, ce qu'on a vu en songe, que cela soit annulé. Que tous les mauvais rêves de perte, de vol soient annulés au nom de Jésus. Tous les mauvais rêves de souffrance, de misère soient annulés au nom de Jésus-Christ. Père, tout ce qu'on a perdu,
On nous a ravi la chance, on nous a ravi les affaires, on nous a ravi les dossiers, on nous a ravi les étoiles, on nous a ravi les vies humaines, on nous a ravi les corps, les destinées. Papa, aujourd'hui, que tout cela soit nul et non avenu. Parce que tu as dit dans ta parole, ce qui est révélé est condamné. Nous condamnons cela au nom de Jésus. Tous les mauvais rêves soient annulés aujourd'hui. Tous les mauvais songes, nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous délierons sur la terre sera délié au ciel. Maintenant, nous annulons tout ce qui a été planifié, programmé contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été monté contre nos vies soit annulé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été programmé contre nous soit annulé au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, annule, annule le plan de l'ennemi, annule le projet du malin, annule tout ce qui a été monté contre nous, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ. Tous les mauvais rêves, on nous a ravi des dossiers, on nous a ravi des sacs, on nous a ravi des documents, on nous a ravi, mon Dieu, tes papas, la santé, on nous a ravi le mariage, on nous a ravi les parties importantes de nos vies, les choses importantes nous concernant, nos véhicules, nos moyens, nos comptes, nos finances. Père, que tous ces rêves s'annulent dans la vie de quiconque. Au nom de Jésus-Christ, tous les rêves, on nous a ravi des grossesses, on nous a ravi des enfants, on nous a ravi des parents, on nous a ravi des frères et des sœurs. Père, que cela ne s'accomplisse point. Nous neutralisons et nous anéantissons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu et partage, 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 partage. Que Dieu te bénisse, toi qui prie de tout cœur. Que Dieu te bénisse, toi qui partage. Que Dieu te bénisse, toi qui dis Amen trois fois. Donne-moi un Amen plus fort que ça. Écris-moi Amen, 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 tel que tu écris là. Que le Dieu très haut te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Bien-aimé en Christ, un autre bien-aimé, lui va rêver, permettez-moi les termes, on lui a ravi, c'est-à-dire l'une de ses sœurs qui est venue en plein moment de sommeil et qui va lui ravir son organe génital. C'est un monsieur, permettez-moi les termes. On lui récupère son organe et la sœur s'en va dans le noir. Il n'a pas pu voir ça. Il n'a pas pu voir plutôt là où la sœur a amené cet organe-là. Il était bien portant. Il se réveille le lendemain matin. Il n'est plus capable de rentrer en érection. Vous comprenez de quoi je parle. Depuis ce jour-là, c'est la maladie dite faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle. Sérieux problème dans le mariage, papa. Beaucoup en souffrent aujourd'hui. Vous ne connaissez peut-être pas l'origine. Qui vous a revendiqué pendant une nuit? Qu'est-ce qui a été fait en une nuit qui puisse faire que toute ta destinée soit détruite comme ça? Une nuit peut changer des choses. En une nuit, tu peux être délivré. En une nuit, tu peux être emprisonné pour toute la vie. Je prie au nom de Jésus que nos nuits ne soient pas des nuits de destruction de nos destinées, qu'elles ne soient pas des nuits de destruction de nos vies, mais qu'elles soient des nuits de nos délivrances et de nos libérations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, libère-nous. Père, délivre-nous. Père, affranchis-nous de toute forme de condamnation faite pendant nos nuits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des années les rester avec des sérieux problèmes sur les lits conjugales. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait comme rêve en une nuit. Quand j'ai dit recommande ta nuit à Dieu, recommande ta journée, ça veut dire quoi? Toi qui t'es déjà réveillé, avant que tu ne sortes de ta maison, il faut également dire à Dieu que toutes les opérations de ce genre qui ont eu à s'effectuer pendant ma nuit, qu'elles ne puissent pas produire des fruits. C'est là où la Bible dit, l'arbre que mon père n'a point planté doit être déraciné. Es-tu prêt à déraciner maintenant l'arbre que ton père n'a point planté dans ta vie? Est-ce que tu es prêt maintenant à déraciner l'arbre que ton père n'a point planté dans ta vie? Ce sont des mauvais rêves. Ce sont des mauvaises opérations qui se sont effectuées la nuit.
Il faut maintenant prier jusqu'à récupérer cela. Comme on vient de déraciner et d'annuler ce qui a été planté pendant nos nuits, maintenant nous allons mettre le feu. Que le feu brûle cette semence-là négative qui a été plantée sur ton dos. Ce michon-là, cette michon-là qui a été lancée, dont l'accomplissement devait se réaliser dans des jours, des heures à venir, ni t'était l'intervention de Jésus pour Pierre. Aujourd'hui, sois-en rassuré que ta prière-là que tu fais maintenant avec moi, c'est une prière qui annule également ce qui a été planifié, programmé comme réclamation. On avait programmé quelque chose de mauvais sur toi aujourd'hui, cela sera aussi annulé. Parce que Jésus n'a point changé. La réclamation ne va pas produire des effets. Parce que tu t'es levé pour prier et Jésus va barrer la route à toute forme de réclamation contre toi. Est-ce que tu peux prier maintenant pour annuler cela et envoyer le feu? Que toute sémence des poursuites, des réclamations, des condamnations soient consumées, calcinées. Que tous les dossiers maléfiques élevés contre toi soient brûlés par le feu de Dieu. Prions au nom du Seigneur, éternel Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël. Maintenant, nous prions que le feu descende et consume, livré. Tout ce qui a été planté contre nous soit consumé par le feu. Que ton feu s'allume, Yahweh. Que ton feu brûle et calcine les manœuvres du mal dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été programmé, monté, planifié contre nous, soit consumé et calciné par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tout dossier maléfique de maladie, de mort, d'accident, d'échec, de problèmes, de troubles, de compréhension dans les foyers, dans les lieux de travail, des limitations, de malédictions, que le feu de Dieu brûle tous ces dossiers maléfiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de l'Éternel localise tout ce qui a été planté sur ton chemin cette journée-là. Le long de la journée d'aujourd'hui, que le feu de Dieu brûle tout ce qui a été planté comme ivré pour t'étouffer, t'empêcher de croître et de refléter la gloire de Dieu. Dans ta maison, tout ce qui a été planté pour étouffer l'étoile de Dieu de croître et de se manifester et empêcher la gloire de Dieu de rayonner dans nos vies. Papa, que cela soit brûlé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Rédempteur, merci ma forteresse et ma bannière. Merci le Dieu de mon salut pour ton feu qui brûle les œuvres du diable. Merci pour ton feu qui consume les manœuvres de l'ennemi. Merci pour ton feu qui calcine tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Tout ce qu'on a sémé comme falsification, trouble, perturbation dans nos vies. Que cela soit brûlé par ton feu cette nuit. Nous demandons le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Sur notre champ de blé. Tout ce que l'ennemi a sémé pour étouffer la paix dans nos familles. Pour étouffer, même Seigneur, la santé et la croissance. Que cela soit consumé, calciné par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi des rois. Acclame l'agneau de Dieu. Acclame l'étoile brillante du matin. Acclame le rejeton de David. Acclame le rocher des âges. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je t'encourage encore de partager et de t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur j'aime si ces requêtes ou ces sujets de prière t'édifient. Manifeste-toi par des commentaires, par des partages, mais également en s'abonnant si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne. Recommande cette chaîne à tes amis, à tes frères, à tes sœurs, pour qu'ils puissent bénéficier de ce moment de prière, également de nos différents enseignements. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. On n'est pas là que pour détruire. Mais nous sommes là aussi pour récupérer ce qui a été détruit, ce qui a été volé, ce qui a été endommagé. C'est pourquoi maintenant je te prie, mon frère, ma sœur, je te demande une chose. Dis à Dieu, Père.
papa. Tu n'es pas là seulement pour me protéger, mais tu es le Rédempteur, le Dieu qui restaure, le Dieu qui répare ce qui a été détruit. On t'appelle aussi les réparateurs des brèches. Répare ce qui a été détruit pendant des nuits antérieures. Ce qui a été détruit dans ma vie cette nuit. Moi, je viens de me réveiller, Seigneur, que tout ce qu'on avait semé pour détruire ma vie, mon foyer, la scolarité de mes enfants, mes projets, mes dossiers, mes documents, que cela ne soit pas seulement détruit, mais que tu me rembourses ce qu'on a pu voler. Toi qui en as ravi le porte-monnaie, récupère-le. Toi qui as vu une personne prendre ton organe génital, l'amener quelque part dans les noirs, récupère-le. Fais une prière de récupération pendant 5 minutes. Prions tous ensemble. Récupérons. Il dit dans Joël 2, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Commence par récupérer tout ce qui a été volé, tout ce qui t'a été ravi, tout ce qui a été enterré. Récupère-le. Souviens-toi de Jésus qui croisa également une femme qui était dans la même condition que toi. La femme de Naïn, elle avait un fils qui était mort, un fils unique. Pendant qu'on amenait l'enfant pour l'enterrer en dehors de la ville, vers le cimetière, Jésus-Christ faisait sa rentrée dans la même ville, il va croiser la foule qui allait pour enterrer l'enfant. Jésus a eu pitié de cette femme qui pleurait son fils unique. Sûrement sa mort n'était pas loin non plus. Je parie que les jeunes gens du quartier calculaient déjà comment achever cette dame, parce qu'elle avait perdu déjà son mari et le seul enfant qu'elle avait, c'est celui-là qui venait de mourir. Je pense qu'on l'aurait déjà taxé de sorcière. Donc yo bomi mobali obomi moi nana yo donc olinganisko boma bajena quartier avant boma biso trosi la nana yo. C'était de tels propos, je pense, qui se disaient, et cette maman était dans l'anxiété. C'est pas ce que la Bible dit. Je suis en train un peu de tirer à longueur et de réfléchir par rapport à la scène, connaissant le comportement des jeunes gens et des voyous du quartier. Je me disais, je pense qu'il se disait des choses comme ça. Et la maman était plus que frustrée. Elle n'attendait plus que sa mort aussi. Et il y avait un Dieu de la justice qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah Tchidkenou, de loin il a vu ce traitement injuste. Ah, bien-aimé, la Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel Dieu entend. Mais quand Jésus entend, il vient pour restaurer, rendre à qui de droit ce qui lui appartient. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que tu invoques aussi le même Jésus. Que tu lui dises, je suis comparable à cette femme de Naïn, la veuve. On m'a ravi mon fils unique. On m'a ravi mon travail. On m'a ravi ma santé. On m'a ravi mon ministère. On m'a ravi mes études. On m'a ravi mon foyer. On m'a ravi les années de ma vie. Père, aujourd'hui, lève-toi comme le Dieu qui restaure. La Bible dit, Jésus-Christ s'est approché du cercueil dans lequel on avait posé l'enfant, placé l'enfant, ou le fils de Naïn. Il imposa sa main sur le cercueil. La Bible déclare, ceux qui portaient le cercueil l'ont abandonné à même le sol. Et Jésus va ordonner qu'on ouvre les cercueils. Quand on ouvre les cercueils, il ordonne à l'enfant de sortir. Que tout ce qui avait été ravi dans ta vie, on a mené pour enterrer cette nuit, que Jésus-Christ te localise, qu'il me localise aussi. Partout nous avait déjà introduit dans des cercueils, que ce soit une nuit de résurrection des morts. Résurrection des activités commerciales, résurrection des vies professionnelles, résurrection du séjour, résurrection des foyers, résurrection de mariage, résurrection des étoiles enterrées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux commencer à prier? Et la Bible déclare, Jésus-Christ va prendre l'enfant, il va rendre l'enfant à sa mère. Le Dieu qui restaure, le Dieu qui rembourse, le Dieu qui restitue ce qui t'a été volé et arraché. J'aimerais que tu pries de tout cœur en disant à Jésus, fais de même dans ma vie. Fais de même dans mon foyer. Fais de même dans ma santé. Ce qu'on a détruit dans mon corps, Seigneur, rends-le-moi. Ce qu'on a détruit dans ma santé, dans ma vie, dans mon foyer. Prions ensemble au nom du Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, que ma vie soit restaurée. Au nom de Jésus, restitue, restaure-moi, Seigneur. Comme tu t'élevas dans la vie de la veuve de Naïn,
lève-toi Jésus dans ma vie. Que tu arrêtes l'opération enterrement. Que tous ceux qui veulent m'enterrer, enterrer mes enfants, enterrer mon foyer, enterrer mon histoire, enterrer mon ministère, enterrer ma destinée, avant le temps, que leur mission ne s'accomplisse point parce que Jésus-Christ, tu n'as point changé, tu t'es levé. Lève-toi réellement et barre la route à cette foule qui allait pour enterrer le fils de la veuve de Naïm. Étends ta main et impose-toi. Ramène à la vie tout ce qui a été plancé dans un cercueil pour l'enterrement. Annule cet enterrement forcé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne permets pas aux méchants d'enterrer tes fils et tes filles avant leur temps. Ne permets pas aux méchants d'enterrer les étoiles et les activités avant leur temps. Ne permets pas aux méchants de gâcher les foyers avant leur temps. Lève-toi comme le Dieu qui s'impose dans ta souveraineté. Impose-toi le long de la journée d'aujourd'hui. Barre la route aux méchants. Impose-toi dans toutes nos voies. Barre la route aux méchants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, nous t'invoquons. Lève-toi et barre la route à tous nos ennemis. Lève-toi et barre la route à tous ceux qui veulent gâcher la scolarité de tes enfants, les finances, les activités commerciales, la renommée, l'image et même la vie entière. Lève-toi pour barrer la route dans ta souveraineté et ordonne maintenant à ce que nos vies soient, nous rappartiennent. Rebâtis nos vies, rebâtis nos santé, nos foyers et nous récupérons ce qui nous a été ravi. Yahweh, je récupère. Récupère ton organe génital, je récupère mon organe génital. Récupère tes entrailles, je récupère mes entrailles. Récupère ta santé, je récupère ma santé. Je récupère mon travail, je récupère ma vie. Ma vie sur cette terre, ma longévité, je la récupère. Ma paix, je la récupère. Ma gloire, mon étoile, je la récupère. Je récupère mes finances, mes véhicules, mes mariages, ma vie éternelle, je la récupère. Ma vie de prière, je la récupère. Tout ce qui a été volé, ma vie de crainte de Dieu, je la récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, impose-toi comme à l'époque de la veuve de Naïm. Tu n'as point changé. Impose-toi et restitue, restaure chacun de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous t'invoquons le Dieu très haut. Nous t'invoquons le Dieu véritable. Nous t'invoquons Jésus de Nazareth. La Bible dit, tu n'as point changé. Tu es le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Lève-toi et restaure, répare, répare les organes détruits, répare les finances enterrées, ressuscite-les, ressuscite les activités, le ministère enterré, ressuscite tout ce que l'ennemi a voulu enterrer. Seigneur, que cela nous soit restitué et restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'adorons, Seigneur, nous t'élevons, le roi des rois. Nous te célébrons, le rocher des âges, le Dieu de la restauration. Merci de nous réparer. Merci de nous restituer. Merci de nous rebâtir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commence à bénir ta journée. Bénis ta journée. Bénis ta famille. Bénis ton fils, ta fille. Bénis tes parents. Bénis ton travail et ton séjour. Que le sang de Christ commence à nous donner la victoire. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Prions, implorons le sang, que le sang parle, que le sang crie, que le sang nous justifie. Prions au nom du Seigneur. Dieu de la Bible, nous implorons le sang qui parle, le sang précieux, le sang glorieux, que ton sang nous couvre, que ton sang nous couvre et nous enveloppe. Que ton sang tapisse nos sentiers, que ton sang crie sur chacun des membres de ma famille, que ton sang parle en notre faveur, que ton sang crie contre la voix de la mort et de la condamnation, contre la voix de l'échec, que ton sang crie en notre faveur. Papa, ceux qui seront dans des salles d'examen et qu'on veut manipuler leur intelligence, exploiter leur matière grise, que ton sang crie pour les justifier, les sécuriser. Papa, dans toutes nos voies, que ton sang crie en notre faveur. Yamanaria korabara santa yakonda rakanda ibara seke ya babashika rokanda ya koroboro sakara babaleke lavandaria kona le umuroshike. Ton sang crie en notre faveur au nom puissant de Jésus. Merci pour ton sang qui nous lave,
Merci pour ton sang qui nous couvre. Merci pour ton sang qui nous protège. Merci pour ton sang qui nous préserve du malin. Merci pour ton sang qui nous enveloppe. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Acclame l'agneau de Dieu. Acclame l'étoile brillante du matin. Tu vas dire à Dieu que la justice, l'amour et la paix de Christ soient mon partage. Confesse la protection de Dieu. Confesse la victoire. Confesse la réussite. Et dis à Dieu que ton règne vienne, mais que ta volonté s'accomplisse dans toutes mes voies. Prions au nom du Seigneur. Éternel Dieu, nous te recommandons la nuit ainsi que la journée. Sois le Dieu qui renouvelle ta bonté comme tu l'as dit. Nous nous réveillons le matin pas pour vivre le calvaire. On se réveille chaque matin pour vivre ta bonté. C'est ce que la Bible nous déclare. Et nous croyons et nous mettons foi fermement en cette parole. Que cette matinée, cette journée du 12 soit une journée au cours de laquelle nous allons vivre ton bonheur. Nous sortirons de nos maisons, même celles qui seraient déjà sorties de leur maison. Papa, que ce ne soit pas pour vivre un malheur ou un calvaire, mais que c'est pour vivre ton bonheur. Merci pour ton bonheur que tu renouvelles sur chacune de nos familles. Merci pour ton bonheur que tu renouvelles dans toutes nos voies, dans le ministère, dans la scolarité de nos enfants, dans nos vies professionnelles, dans nos vies ministérielles. Père, merci pour ton bonheur que tu renouvelles dans nos santé. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Acclame l'agneau de Dieu. Acclame l'étoile brillante du matin. Acclame le rejeton de David. Acclame le rocher des âges. Que l'Éternel mon Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Sois béni papa, sois béni maman, sois béni bien-aimé, toi qui as pris part à cette séance de prière. Voilà qu'il y a eu beaucoup de combats techniques, mais également spirituels, mais c'était des moments merveilleux, des émissions d'édification et remplies de beaucoup de révélations. Mon frère et ma sœur, n'hésite pas d'envoyer ce live à quelqu'un. Partage-le dans les groupes WhatsApp dont tu fais partie. Envoie à quelqu'un par messenger. Partage-le dans les groupes Facebook dont tu fais partie. Et abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné en cliquant sur le rouge. On a écrit s'abonner. Tu cliques là-bas. Et puis tu cliques sur une cloche. C'est comme une sonnerie. On a écrit notification. Il faut cliquer sur toutes les notifications pour que tu sois informé à la prochaine fois quand on sera en direct. Je répète, si tu t'es déjà abonné, tu n'as rien à faire. Si tu t'es déjà abonné, mais tu n'as pas encore cliqué sur une cloche, une sorte de sonnerie qui est au fin, en noir là-bas, en gris, clique sur la sonnerie des notifications et puis tu cliques sur toutes les notifications pour que tu sois informé une fois qu'on est connecté ou qu'on est en direct. Si tu ne t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Laissez-nous un coup de pouce bleu pour dire que vous aimez la vidéo ou blanc et le Dieu Tout-Puissant vous bénira. Nous vous donnons des annonces. Le samedi, c'est-à-dire demain, à partir de 15h00 ou 14h30, heure des USA, si le Seigneur Jésus ne revenait pas, nous aurons notre émission Temps des réflexions avec l'homme de la continuité. Là, ce n'est pas des prières seulement, mais on va réfléchir ensemble. Le thème ou le sous-thème s'intitule « Pourquoi cette prolifération des divorces dans notre génération ? Pourquoi beaucoup de gens divorcent-ils à notre époque ?» Ça ne sera pas une émission « Le pasteur prêche seul », mais une émission des réflexions communes. Donc, il y aura une idée, de débattre, de talina malobana nzambe et de zuba conclusion pour que nous puissions remédier d'une manière à une autre à cette problématique des divorces qui ne font que prendre de l'ampleur. C'est très important. Donc, on peut communiquer na biso, penser na yo et le téléphone sera ouvert sur WhatsApp. Plus 1
331-262-4903 pour que vous donniez votre point de vue, vous réagissiez, que vous appeliez en direct ou bien vous envoyez un message pour donner votre contribution. Déjà, ayez le temps de réfléchir là-dessus pour que, si Jésus-Christ ne revenait pas, le samedi, donc demain, à partir de 14h30, heure des USA, ou 15h pile, qu'on soit en direct pour intervenir ensemble pendant l'émission Temps de réflexion avec l'homme de la continuité, ici sur la chaîne YouTube Patrick Alala Ministry. Que le bon Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Vraiment, nous sommes dans la joie de passer ces moments avec vous, de passer ces temps de prière avec vous. Recevez nos chaleureuses salutations ainsi que bénédictions en Christ Jésus. Portez-vous bien, que le bon Dieu vous arrose, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos activités. On se retrouve avec vous très prochainement dans un nouveau numéro, toujours pour votre édification. Merci pour ce moment passé ensemble. Que Dieu vous arrose, surtout vous qui partagez et qui vous abonnez. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Bye bye. À la prochaine.